Que faire en cas d'étouffement? On est confronté à une personne face à nous qui semble chercher son air, qui ne peut ni vous parler, ni respirer, ni tousser, et il va falloir agir pour désobstruer ses voies aériennes. La première chose qu'on va faire, on va la pencher un peu en avant et on va lui taper vigoureusement dans le dos, entre les omoplates. On va faire 5 tapes. Dans la très très grande généralité des cas, ça suffit à la désobstruction et ça sauve une vie. Lorsque ces tapes dans le dos n'ont pas suffi, on va enchaîner sur une deuxième technique qui est beaucoup plus connue des gens, avec notamment le nom du docteur qui a mis au point cette méthode. C'est la méthode de Heimlich, qui consiste à venir faire des compressions au niveau du creux de l'abdomen, de façon à pouvoir remonter le diaphragme, et en remontant, ce diaphragme va comprimer les poumons et faire un effet piston comme une pompe à vélo, et ça va pousser le corps étranger de l'intérieur. La grosse idée reçue qu'ont les gens, il faut surtout pas taper dans le dos. Si, il faut taper dans le dos. À l'endroit où on tape entre les omoplates, c'est très costaud, c'est très solide, on n'abîme rien, on risque rien. Et bien au contraire, c'est là qu'on va provoquer la grosse caisse de résonance qui va rendre cette tape dans le dos efficace. Une autre idée reçue, c'est lorsque la personne présente ce qu'on appelle une obstruction partielle. L'obstruction partielle, il y a un corps étranger qui est passé dans le mauvais tuyau, mais ça n'obstrue pas totalement. Très souvent, la victime arrive à respirer et surtout, elle va tousser. Ce qui distingue une obstruction complète d'une obstruction partielle, l'une n'émet pas de son, l'autre tousse. Et la grosse idée reçue qu'ont les gens, c'est de taper dans le dos à cet instant-là. Il faut surtout pas taper dans le dos. En tapant dans le dos, nous, on peut faire bouger violemment le corps étranger et faire pire que mieux puisqu'on peut obstruer. Dans la très grande généralité des cas, la victime se désobstrue toute seule par sa propre toux.